the most precious blood that pours out from the sacred head of our Lord Jesus Christ. Precious blood of Jesus Christ, the temple of divine wisdom, the tabernacle of divine knowledge. Precious blood of Jesus Christ, cover us both now and forever. May the most precious blood that pours out from the sacred head of our Lord Jesus Christ, the temple of divine wisdom, tabernacle of divine knowledge, and sunshine of heaven and earth, cover us now and forever. Bonjour, pour ce temps de prière à la dévotion au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en 1995, à 15h précise, heure de la divine miséricorde, notre Seigneur Jésus-Christ, appelé pour la première fois Barnabas Envoy, un adolescent d'Olo dans l'état d'Enugu, au Nigeria, et le supplier de le consoler et d'adorer son très précieux sang. 2 ans plus tard, dans une vision, le Seigneur lui dicte le chapelet du très précieux sang avec toutes les prières connexes. Donc les messages, les prières et les couplets, les refrains ainsi que les instructions données entre 1997 et 2003 directement par notre Seigneur, sa Sainte Mère, les anges et les saints constituent la dévotion au très précieux sang contenu dans ce livret. Donc là, nous allons prendre un temps de prière qui sont des prières de consolation à Jésus-Christ agonisant. Donc, nous pouvons faire ces prières à 15h, donc, qui est l'heure de la miséricorde. Donc, bien sûr, il y a le chapelet de la miséricorde, il y a le chemin de croix que nous pouvons faire aussi. Et pour ceux qui sont qui connaissent vraiment la dévotion au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons faire ces prières de consolation à 15h. Donc, pendant l'heure de 15h, pas à 15h pile, ceux qui peuvent le faire à 15h pile le font à 15h pile, mais pendant l'heure de 15h, de 15h à 16h, vous pouvez prendre ce temps de prière qui sont des prières de consolation à Jésus-Christ agonisant. Le Seigneur a donné sa vie, il a livré versé son très précieux sang pour nous sauver, et ce sont des prières de réparation aussi à son précieux sang par rapport à tous les péchés commis contre son précieux sang. Donc, nous sommes là pour faire des actes de réparation, de consolation et de conversion. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Première prière. Père éternel, avant d'envoyer dans le monde votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le but de nous sauver et d'instaurer un nouveau paradis terrestre par son très précieux sang, vous avez dit par amour, « Qui enverrai-je? Qui ira sauver mon peuple ?» Le silence régnait sur la cour céleste, et votre Fils a répondu, « Me voici, Père, envoyez-moi. » Qu'honneur et adoration vous soient rendus au divin amour, ô Jésus-Christ très aimant. Que votre nom soit loué et vénéré, ô Jésus-Christ agonisant. Acceptez d'être consolé. La récompense que vous avez reçue de votre peuple pour votre bonté envers lui a été le péché jour et nuit. Il a péché contre vous et blasphémé votre saint nom. Il a lutté contre vous et a enfreint vos commandements. Père éternel, soyez réconfortés par la voix de vos cœurs célestes. Puisse la voix de vos dominations vous consoler. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ agonisant, supportez cela, Seigneur. Jésus-Christ agonisant, nous vous aimons. Cœur agonisant de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Seigneur Jésus, soyez consolé. Votre précieux sang versé pour nous ne le sera jamais en vain. Deuxième prière. Père éternel, vous avez préparé pour votre Fils unique Jésus-Christ un saint tabernacle, les entrailles de la bienheureuse Vierge Marie. Béni soit le saint qui a porté le Fils unique de Dieu. Père éternel, votre Fils est né à Bethléem. Il a été déposé dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place à l'auberge pour lui. Et ses parents, il a été ainsi afin que le monde recherche le royaume des cieux plutôt que les richesses périssables de ce monde. Père éternel, cela montre que votre propre peuple n'était pas prêt à recevoir son roi, son créateur et son rédempteur. Il n'y avait pas de place pour le roi du ciel et de la terre dans son propre pays. Seigneur, vous êtes venu chez votre peuple et ils ne vous ont pas reconnu comme roi. Vous êtes venu dans votre propre pays et ils ne vous connaissaient pas. Quand ils ont entendu parler de vous, ils se sont mis à planifier votre mort. En voulant exécuter ce projet, ils ont massacré de nombreux enfants. Des pleurs amères et des lamentations retentissaient à travers votre propre pays en guise d'accueil pour le roi. Les femmes refusaient d'être consolées parce que leur enfant était mort. Référence Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 18. Jésus, vous avez supporté tout cela par amour pour votre peuple. Mais le peuple a continué à pécher et à faire toutes sortes de choses mauvaises contre vous et votre Père céleste. Au lieu de roi, il vous a considéré comme un ennemi. Quoique vous étiez son rédempteur, votre propre peuple que vous avez sauvé a vu en vous un prédateur contre lui, qui se souvenant de votre miséricorde et de votre bonté pour votre peuple, saura vous consoler suffisamment. Laissez-vous consoler, soyez réconfortés au Jésus-Christ très aimant. Puisse la voix de vos cœurs célestes, des anges et des archanges, vous louer et vous consoler. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Jésus-Christ agonisant, supportez cela, Seigneur. Jésus-Christ agonisant, nous vous aimons. Cœur agonisant de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Apaisez votre colère, Seigneur. Nous regrettons tous nos péchés. Nous ne pécherons plus jamais. Troisième prière. Ô Jésus-Christ très aimant, vous qui êtes venu dans le monde pour racheter votre peuple du péché, ô vous le véritable pasteur qui avez été maltraité et rejeté par vos ouailles, vous êtes venu et vous avez vu votre peuple souiller la maison de votre Père. Votre sainte colère a causé leur expulsion du Saint-Temple. Et aujourd'hui, les hommes vivent de plus en plus selon la chair et perdent le sens du sacré en étant insouciants de votre présence dans le Saint Tabernacle. Nous venons vous consoler pour les péchés que les hommes commettent contre vous dans le Saint Tabernacle, pour la froideur et l'indifférence qui manifestent en votre sainte présence, pour ceux qui vous reçoivent et ne sont pas dignes, et pour tous les actes irrespectueux qui commettent contre vous. Pardon et miséricorde, ô Jésus-Christ très aimant. Même si les hommes vous crucifient sans arrêt, dans votre grande miséricorde, supportez tous ces affronts de vos créatures bien-aimées. Ô Jésus-Christ miséricordieux, acceptez notre consolation, nous vous en prions, et ayez pitié de votre peuple. Puisse la voix du cœur céleste des vertus vous consoler. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ agonisant, supportez cela, Seigneur. Jésus-Christ agonisant, nous vous aimons. Cœur agonisant de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Cœur agonisant de Jésus-Christ, vous avez souffert pour nous racheter, que votre volonté soit faite. Quatrième prière. Ô Jésus-Christ très aimant et miséricordieux, au jardin de Gethsémani, vous avez souffert profondément et vous avez été saisi de peur. Vous avez prononcé ces paroles. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Nous voulons consoler votre cœur sacré si broyé de douleur. Pour nous réconcilier avec Dieu, vous avez supporté la flagellation au pilier et le couronnement d'épines. Et malgré tout cela, beaucoup d'âmes insouciantes sont avortées chaque jour et leurs cris déchirent votre cœur sacré. Pardonnez aux hommes toutes leurs offenses, nous vous en prions. Puisse la voix des cœurs célestes, des chérubins et des séraphins vous consoler et la mise en marche de l'évangélisation de ce monde vous réconforter. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ agonisant, supportez cela, Seigneur. Jésus-Christ agonisant, nous vous aimons. Cœur agonisant de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Jésus caché dans l'Eucharistie, nous regrettons tous les péchés commis contre vous sur terre. Cinquième prière. Ô Jésus-Christ très bon et miséricordieux, qui vous êtes offert comme agneau sacrificiel pour le salut de l'humanité, nous voulons vous consoler. Humblement, vous vous êtes livré aux soldats juifs qui vous ont traîné comme un malfaiteur. Vous, si miséricordieux pour les hommes sans pitié, ô Dieu plein de bonté, pour être jugé par les hommes, nous voulons vous consoler, ô Jésus-Christ agonisant, pour toutes les injures qui vous sont faites dans les tribunaux du monde. Nous voulons vous consoler pour tous ces cruels tourments que votre peuple vous a fait supporter. Puissez-vous être adoré maintenant et toujours. Amen. Adorons les plaies de votre corps sacré. Laissez-vous consoler, ô très saint cœur qui supportez toutes ces douleurs. Adorons votre visage sacré qui supporte la scandaleuse couronne d'épines. Nous voulons vous consoler, ô très saint cœur, qui supportez toutes ces douleurs. Adorons les deux cœurs d'amour qui se sont rencontrés sur le chemin du calvaire. Acceptez nos consolations au cœur uni de la Mère et du Fils. Nous vous offrons notre consolation pour toute l'angoisse et la profonde tristesse que vous avez éprouvé sur le chemin du calvaire. Adorons votre très précieux sang répandu dans les ruelles de Jérusalem. Recevez nos consolations, Seigneur, pour votre sang versé en réparation des péchés du monde. Sur le calvaire, le Créateur du ciel et de la terre a été dressé nu sur la croix à la vue de tous les hommes. Adorons Jésus-Christ agonisant, vous qui subissez cette humiliation en rémission des péchés du monde. Gloire, honneur et adoration vous soient rendus à vous qui avez humblement accepté la croix de mon salut. Couchés sur la croix, les soldats vous ont étiré et ils ont cloué vos mains et vos pieds. Honneur et adoration soient rendus à vos saintes plaies, à votre très précieux sang, et à l'eau qui en ont coulé. Nous vous en prions, supportez encore ces terribles douleurs et ces affreux tourments que vous avez soufferts sur la croix. Adorons votre sainte mort, agneau sans tache. Régnez éternellement, ô très précieux sang et eau jaillie de votre côté sacré. Ô Jésus-Christ agonisant, que votre règne arrive. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ agonisant, supportez cela, Seigneur. Jésus-Christ agonisant, nous vous aimons. Cœur agonisant de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Jésus crucifié sur la croix, chaque goutte de votre précieux sang a une valeur infinie, afin que tous nous méditions vos souffrances. À répéter trois fois. Jésus-Christ agonisant, Fils unique du Père, Créateur et Rédempteur du monde, pardonnez et ayez pitié du monde entier. Cœur agonisant de Jésus-Christ, daignez recevoir nos consolations. Amen. Jésus-Christ agonisant, Fils unique du Père, Créateur et Rédempteur du monde, pardonnez et ayez pitié du monde entier. Cœur agonisant de Jésus-Christ, daignez recevoir nos consolations. Amen. Jésus-Christ agonisant, Fils unique du Père, Créateur et Rédempteur du monde, pardonnez et ayez pitié du monde entier. Cœur agonisant de Jésus-Christ, daignez recevoir nos consolations. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Temple of divine wisdom, tabernacle of divine knowledge, and sunshine of heaven and earth, cover us now and forever. Precious blood of Jesus Christ, save. Jesus, we want the ocean of the most precious blood to begin to rain. Precious blood of Jesus Christ, save. Blood of Jesus Christ, save. Let this blood sprinkle in every heart. Precious blood of Jesus Christ, save us. Open your eyes.